chance. Hillbilly Billy better run for the hills, come down here, get his fill of whiskey, women, wine, and thrills. Husbands here are fit to kill, and if they catch that boy, they will. Hillbilly Billy better run for the hills, yeah! Donc plus sympa de faire les mouvements des mains. Danse novice, 48 ans, 2 murs. Vous avez 2 tags, 4 restarts et un final. Pour le phrasing qui sera peut-être un petit peu plus simple, le premier mur vous faites tous les temps sans changement. Deuxième mur, vous allez avoir un restart après la section 5, donc après le coaster step en arrière. Le troisième mur, normal. Le quatrième mur, vous avez un restart après la section 3. Donc quand on a fait sur le côté rock, step, behind, side, cross, donc vous venez vite sur le pied gauche pour pouvoir repartir. Le cinquième mur, normal. Le sixième mur, vous avez le tag 1 qui se trouve après la section 3. Donc après le rock, step, behind, side, cross, vous avez le 3-step turn sur la gauche, touch, et le 3-step turn sur la droite, touch. Toujours à ce sixième mur, vous avez aussi le tag numéro 2 qui est la répétition de la section 5 juste après la section 5. Le septième mur, vous avez un restart après la section 3. Donc pareil, avec le rock step behind side cross, vous revenez en appui sur votre pied gauche pour pouvoir repartir. Et puis le huitième mur, vous avez un restart après la section 5, donc après le coaster step. Et le neuvième mur, qui est le dernier mur, le petit final, après le rock step behind side cross. Donc on sera de l'autre côté, on sera face à 6 heures, donc demi-tour face à midi et les flingues devant pour finir donc la danse. Je commence par vous expliquer les pas, puis après les temps, puis après je vous montrerai les mouvements des mains. Donc on commence en appui sur le pied gauche, triple côté droit, quart de tour, talon, hook, talon, un quart de tour à gauche, triple gauche et rock, step. Dans la diagonale, triple droit, diagonale, triple gauche. Step, turn, marche, marche. Kick, ball, cross, rock, step, behind, side, cross. Kick, ball, cross, rock, step, et c'est l'or, demi-tour. Step, lock, step, lock, step, lock, step, kick, kick, coaster, step. Ensuite, les heel switches avec quart de tour qu'on va faire deux fois. Donc, talon, ramène, talon, ramène, talon, ramène, talon, ramène. Étant donné que c'est un mouvement fluide, on va donc tourner de façon très, très fluide aussi. Et ensuite, la dernière section, broche, 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 broche. Et on peut repartir avec le nouveau mur. La même chose avec les comptes. 7, 8. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7, 8. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1 et 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1 et 2 et 3 et 4 et 5, 6, 7, 8. Les mouvements des bras, donc sur la première section, il ne se passe rien. La deuxième section, quand vous vous retrouvez face à midi, donc les triples, vous pouvez faire le lasso avec le bras droit. Le step turn, on avance le pied, flingue en avant, demi-tour. Et sur marche-marche, vous soufflez sur les pistolets. Puis après, les deux kick ball cross, vous rangez les pistolets dans les holsters. La partie suivante, il ne se passe rien non plus. Et ensuite, quand vous faites la section 5 avec les step, lock, step, donc le cheval au galop, les mains devant. Voilà, bah, je vous souhaite de bien vous amuser. À bientôt.